Vous voyez ce gâteau? C'est un wedding cake que j'ai réalisé pour un shooting d'inspiration. Pourquoi je te recommande de faire des shootings d'inspiration et ainsi attirer les clients que tu souhaites réellement avoir? Écoute la suite, tu vas comprendre pourquoi c'est vraiment le jackpot. Bienvenue chez Cake Entrepreneur, je suis Fanny Ouamara. Sur la chaîne, je vous accompagne à devenir des cake designers professionnels et rentables. Que vous n'ayez jamais fait de gâteau ou que vous soyez déjà une experte, mais que vous aimeriez pouvoir travailler sur le business de votre cake design, savoir comment fixer vos prix, calculer vos marges et monter votre entreprise en cake design, je peux vous accompagner avec mon programme Devenir cake designer pro et rentable en 5 étapes. Tout en bas, vous allez retrouver l'adresse de mon site internet où vous allez avoir toutes mes offres d'accompagnement. Alors, pourquoi je vais vous parler aujourd'hui du shooting d'inspiration? Ce gâteau, ce wedding cake, je l'ai fait sur la demande d'un prestataire qui organisait une formation de photographie et qui avait besoin d'un modèle de gâteau pour pouvoir donner un exercice à faire à ses élèves. J'ai répondu oui, car c'est un bon moyen d'avoir de nouvelles photos professionnelles et aussi de montrer réellement ce qu'on aime faire, son identité, sa patte, et ainsi avoir une vitrine qui ressemble beaucoup plus au cake designer qu'au client. Alors, un shooting d'inspiration, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un wedding planner qui va vous contacter, vous, en tant que cake designer, mais qui va également vous rassembler avec d'autres prestataires tels que le photographe, la robe de mariée, le lieu de l'événement, le traiteur, le vidéaste et plein d'autres prestataires du mariage pour qu'ensemble, vous mettiez en commun vos services et vos savoir-faire. Vous allez ainsi créer une journée à l'image d'un vrai mariage avec un vrai couple, ou un faux couple d'ailleurs, qui vont vraiment donner, refléter le thème du mariage. Généralement, c'est l'organisatrice, donc le wedding planner ou la wedding planner, qui va figer le thème. Ça peut être un thème bohème, champêtre, ou bien mariage mixte, peu importe la thématique, vous allez avoir un mood board, c'est-à-dire l'esprit du mariage avec un petit peu le type de fleurs qu'on souhaite, la robe de la mariée. Vous allez pouvoir designer un gâteau qui va ressembler à l'événement. Mais ce qui est important, c'est que dans ce gâteau que vous allez faire, vous allez avoir carte blanche. Ainsi, vous allez réellement montrer ce que vous aimez faire. Et avec des photos comme cela, vous allez attirer les clients dont vous aimez les goûts, dont vous aimez le style en fait. L'inconvénient quand on ne fait pas de shooting, c'est qu'on est laissé, on laisse au client le libre choix de nous emmener dans tout ce qu'il aime. Aujourd'hui, on me demande quel design je le fais. Demain, autre design je le fais. Finalement, ma vitrine, elle ressemble à plein de designs, sauf ce que j'aime réellement. Ce qui est dommage, en fait. Alors que quand on fait des shootings d'inspiration, que ce soit vous-même qui initiez cela, c'est ce que j'apprends également, c'est ce que je demande à mes clients qui ont pris mon programme, qui est designer haut de gamme, je leur demande de créer un shooting d'inspiration personnel avec leur création pour ainsi rehausser leur propre vitrine à leur image et à l'image des clients pour qui elles veulent réellement travailler. Donc en faisant cela, on a une vitrine qui a notre image et qui n'est pas à l'image de tous les clients avec des goûts variés qu'on peut rencontrer. Ça m'est arrivé plusieurs fois déjà de voir des clients qui me contactent et qui vont me dire « j'aime votre esprit parce que je veux quelque chose qui soit simple, qui soit élégant, qui soit épuré ». Ce sont des mots que je retrouve très souvent et évidemment, je ne suis pas surprise car ce n'est pas un accident. J'ai mis tout en œuvre pour attirer ce type de personnes car ce sont des gâteaux que j'aime faire. Alors, je fais tout pour que cela représente, je fais tout pour que dans mes vitrines, que ce soit sur Instagram ou sur mon site web, qu'on retrouve ma patte, qu'on retrouve mon univers, qu'on retrouve ce que j'aime réellement faire. Et ainsi, j'attire mes clients idéaux. Voilà pour cette courte vidéo qui va vous donner une directive. Alors, si tu n'as jamais fait de shooting avant, c'est le moment d'en faire. Généralement, en septembre, en tout cas à la rentrée, ils s'en préparent énormément. C'est l'occasion de trouver des partenaires ou alors simplement initier toi-même ton propre shooting.
Et si tu veux être une cake designer ou une wedding cake designer qui va attirer des clients premium et vendre tes gâteaux entre 8 et 10 euros et bien plus, et minimum 1000 euros par contrat, le programme Cake Designer haut de gamme est fait pour toi, est taillé pour toi. Tu veux en savoir plus? Une seule chose à faire, tu vas dans la barre d'informations et tu vas retrouver toutes mes informations pour savoir comment je peux t'accompagner à réaliser ton projet dans le cake design. Si tu as aimé, tu mets un pouce, un commentaire et tu partages au plus grand nombre. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.